l'opérateur Chantal, antenne, bah écoute. 88 Chantal. Ah, oh, les 88, c'est Rémi. Attends, voilà. Il a fallu que j'appuie sur un bouton du micro pour changer de fréquence. Oui, affirmatif, je suis là en mobile sur Sainte-Colombe. Ah, ok. Comment allez-vous bien tous les deux? Ah, ben moi ça va, là, je profite du soleil. Là, je suis en train, j'attends quelqu'un, là. qui est de passage là, sur la région. Et. Alors, je sais pas si tu connais l'écrivain là, Didier Verchère, qui est avec justement les livres sur la Sibylle là, qu'il a fait. Hein. Oui, affirmatif, on a vu le livre sur le stand de ma reine, c'est ça? Voilà, il est actuellement sur la région. Et là, il devrait pas tarder, vu l'heure, là, il devrait pas tarder à arriver. Là, on s'est donné rendez-vous justement là du côté de la mairie là de Sainte-Colombe. Alors, j'ai une Chevrolet là qui est en train de passer devant moi. Oh la vache. Oui, je suis en train de l'attendre là justement là sur le là ici là sur le haut de Sainte-Colombe. Pas du tout. J'ai débauché ce matin à 6h. Ah ouais, d'accord. Eh ben écoute, moi j'essaye de faire des appels un peu sur la fréquence, mais il n'y a pas grand monde. Hein. Ben disons que le truc qui se passe, c'est que effectivement, quand la propague n'est pas là, eh ben les stations locales ne répondent pas forcément aux autres stations locales. Hachi trois coups. C'est un petit peu dommage, ça casse le QSO, les QSO locaux. C'est enfin bon, quoi faire, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois quand je suis sur la route le matin par exemple, je suis davantage là sur les 40 canaux normaux et j'entends du monde à chaque fois, hein, et je fais quasiment à chaque fois des QSO, hein. Ah ouais, ça écoute la voix. Bon, c'est vrai que nous en ce moment on est très occupé avec on va faire le changement de statut, donc c'est vrai qu'on a pas mal de choses à préparer, quoi. Et puis voilà, ma foi, à part ça, et puis bon, ben, notre président, il est encore out, là, alors ça devient compliqué, quoi. D'accord. Là, la seconde même, je suis en train de faire une petite vidéo. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Une vidéo pour... Eh bien, pour justement continuer à faire parler de la Sibylle, hein. Voilà, j'en ai fait un bout là ce matin. Ce morceau-là, si tu es d'accord, je l'ajouterai au bout là que j'ai fait ce matin avec. Hein. Là, pour faire parler de la Sibylle. Et si tu es d'accord, profites-en pour parler de l'association. Ben oui, t'as vu, ben j'ai mis en ligne le lien là, parce que bon, on a contacté pas mal de journaux gratuits sur la région, de façon à parler un peu du SPBA, pour récupérer, disons, des opérateurs radio et des signaleurs, quoi. Donc, et il y a Bordeaux Gazette qui m'a envoyé le lien là. Vraiment, ils ont été très rapides, ces gens-là, hein. C'est une association. Mais j'ai envoyé le mail de demande, voyons voir, hier matin, ça devait être 9h, et le monsieur m'a répondu aussitôt, tu vois, et le lien était en ligne dans l'après-midi, quoi. C'est vrai que c'est génial. Maintenant, bon, c'est vrai que les gens, ils sont pas le bénévolat, c'est tout ça, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, puis là, où que ce soit, de toute façon, c'est vrai, hein, sur toute la France, les gens sont plus en demande qu'à proposer leur aide. C'est. Ouais, il y a effectivement quelque chose qui s'est perdu à tort. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'en même temps, eh bien, c'est tout le monde qui se plaint, qui a plus de bénévoles, ceci, cela. Mais d'un autre côté, eh bien personne ne veut donner un minimum de sa personne.
Pourtant, c'est pas grand-chose qui est demandé. On ne leur demande pas leur portefeuille, hein, ni leur numéro de compte en banque, hachis trois coups. Juste un peu de temps libre. Mais même ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Eh ben oui, les gens, je sais pas, ils sont égoïstes, je ne sais pas en fait. J'arrive pas à cerner. Parce qu'il y en a qui sont tout seuls. Bon, bah, c'est vrai que tu retrouves quand même une ambiance. Hein, bon, tu connais l'association, on est quand même relativement ouvert, hein, même je dirais très ouvert. Et bon, bah non, ça, je sais pas, ça marche pas. Mais bon, c'est comme tu dis, hein, il n'y a pas que nous, et puis ça viendra peut-être un jour. Hein, c'est comme l'éducation, il suffit d'insister, peut-être que un jour viendra où ça passera, et puis que les gens viendront. Mais voilà, quoi. Bon, ben tu sais pas, de toute façon, je vais te laisser, mon grand, parce que là, il faut que j'aille quand même débarrasser ma table, tu vois, c'est pas fini. Et tu feras... t'enverras toutes nos amitiés à qui tu sais, et puis ben, je te souhaite une bonne rencontre avec ton visiteur, et je te dis à une prochaine, les 73-51, les 88, si tu le permets. Ah, mais tout ça retourné et amplifié. Et pour juste un petit clin d'œil en vitesse là pour le FCBA33. Alors FCBA33 est une association de radio d'assistance qui intervient justement sur tout ce qui est rallye, organisation, course et ainsi de suite, et qui est basée sur Florac. Il y a quelque chose à rajouter? Oui, je pense, oui. Dans l'association, je crois que vous avez tous, ou presque tous, en grande partie, le secourisme, et tout, qui est bien utile, justement, dans le cadre des assistances. Je ne me suis pas trompé, ou j'ai oublié quelque chose? C'est tout à fait ça, et puis on peut rajouter que nous allons signer une convention avec notre municipalité pour en cas de catastrophe naturelle. Donc, et à ce sujet-là, ben Christophe est en train de préparer des exercices pour le plan communal de sauvegarde. Et je pense que cette année, ça va se faire avec notre partenaire, l'UNAS Gironde, c'est-à-dire les secouristes de Gironde. Et je pense qu'on va arriver à monter une journée pour nos deux associations, et de façon à être au top le jour où on nous appellera. Ah oui, alors ça c'est la cerise sur le gâteau ça. Oui effectivement, puisque c'est vrai que là comme on observe, côté climatique, plus ça va, plus on prend un tournant qui risquerait d'aller vers des conditions météo assez qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. C'est comme on peut le voir, on a parfois en France, il arrive d'avoir des petites tornades, mais bon, suffisamment dévastatrices, et tout. Donc effectivement, il y a besoin d'aide dans ces cas-là, quoi. Bah oui, surtout chez nous, enfin sur la ville de Florac, au niveau des incidents que nous pouvons avoir, c'est-à-dire les inondations avec la Garonne, évidemment, et puis bien que les digues aient été bien remontées, hein, et puis les éboulements, hein, parce qu'il y a énormément de carrières, donc les éboulements de terrain. Voilà, alors donc, et bien, on est en train de se préparer à ça, et puis voilà, d'autres petits projets, quoi. Voilà, allez Rémi, je te souhaite la bonne journée, je te dis à une prochaine sur les ondes, et puis quand tu passes par Florac, eh bien, je t'arrête. Allez, des bisous. Ok, merci pour tout ça, on n'en dira pas plus. 88 212 QRA pour le salon de Marraine. Je suis en attente que le REF 17 mette les feuilles d'inscription là sur leur site. Je leur ai envoyé un email là, récemment, là ces jours-ci. Bon, ils m'ont répondu, ok, c'est là ils doivent être en train d'attendre de faire leur assemblée générale de leur côté. Donc en suivant on aura ça. Pardon, je suis en train de m'étrangler en même temps. Hachi. Alors, RE88, RE212 QRA, et à très bientôt de Visio sur les ondes. Merci pour ce QSO. Bye bye. Merci, bye bye.
Oui, la station pour les CTX, les bandes 73, là, de Dundee 33, là, en mobile arrêté sur Sainte-Colombe. Beaucoup plus au sud par rapport à toi, à Chitroico, Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, avec les bonnes 73 de Dundee 33. Okay, bah moi c'est Charlie Bravo X, opérateur Joël à Sénac, à côté de Bouillac. Bouillac à côté de Bordeaux, c'est ça? Ok, je te croyais plus du côté 24, là un peu plus au nord, à Chitroico, donc là je suis à quoi, à 50 km à l'est de Bordeaux, à côté de Castillon-la-Bataille, 12 km à l'est de Saint-Émilion, et 5 km au nord-ouest de Castillon-la-Bataille. Là je suis voilà, sur un petit village du nom de Sainte-Colombe. Et là je suis en mobile arrêté là pour le moment, là j'attends une station, hein, Hachi. Ok, 100%. Bah, écoute, je t'en reçois correctement, signal c'est 5-6, radio 4, 4-5, radio 4, c'est un peu curieux là-dessus là. Tu m'entends correctement, j'ai pas d'accrochage. Alors non, là, justement, là, pendant que, puisque tu me faisais un report de module, j'étais en train de regarder le signal. Bon, pour la radio, c'est du 4. Je suis trop loin, je pense, pour entendre s'il y a un accrochage ou quoi que ce soit. Et pour le Santiago, ben, il navigue entre 3 et 4. Ok, ouais, de temps en temps, en plus, j'ai une petite montée de QRM. Je dois avoir un peu de CPL, je pense, dans le coin et tout. Ça, là, c'est, mais bon, ça va quand même, ça passe bien quand même. Hein. Ah oui, là pour le coup, t'es monté à Santiago 5. Voilà, t'es passé d'un Santiago 3, timide 4, à Santiago 5. Donc oui, et puis là, bon, la radio est un peu plus forte. Oui, un petit peu, ouais, c'est léger, ça va, ça passe bien. Hein. Là, ça va, l'écho est agréable, là, il faudrait pas qu'il soit plus. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que le QRM que j'ai de mon côté, la retombe et me fiche un peu la paix. Hachi, le coup d'avant, c'était bien, c'était impeccable, j'avais pas de QRM. Tout à l'heure, j'ai fait un QSO avec une YL en DX qui est justement pas loin de chez toi, là du côté de Florac, qui fait partie de l'association FCBA 33. Voilà, Chantal, si tu connais. Donc j'étais en QSO tout à l'heure en DX avec elle, j'avais pas de QRM. Là, juste avant, j'étais en train d'écouter des stations sur la route, j'avais pas spécialement de QRM, ou juste à peine. Et là, paf, ça y est, c'est monté d'un coup, mais bon, le temps qui se lasse, qui me fiche la paix, ce sera tout bon. Ah, je suis trois coups. Ok, ben, moi j'ai pas de QRM en stand-by. Paradoxalement, j'ai des QRM sur ta radio, là, donc c'est comme ça. Ici, sur Bordeaux, il y a beaucoup de QRM. Ah bah toi, quand je te disais que le QRM finirait par se lasser et me fiche la paix, bah voilà. Et là maintenant, oui, là t'as une radio de 5. Ouais, bah ce matin j'étais encore sur Bordeaux, hein, puisque là j'ai passé la nuit là, du côté de Bassens. Donc là c'était... Bah, ce matin j'ai eu la belette, la vite fait, là en débauchant. Je suis assez souvent là sur Bordeaux, mais bon je bosse principalement la nuit, quoi. Sinon, franchement, c'est mort. Voilà, écoute, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Bah, je m'en
Bon, alors, l'écho est un chouïa trop fort, là, de mon côté. Mais bon, ça va, moi, ça, je m'adapte, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème. Alors, mes conditions de trafic, eh bien, du côté du mobile, c'est un CRT 7009, avec comme antenne une Wilson 5000. Plus ce que j'appelle la petite boîte de mirror là, qui est branchée entre, qui me permet de bien astiquer l'antenne pour que ça passe mieux. Ah, chi ! Ouais, j'ai pas tout compris. La Wilson, c'est pas un petit peu comme une K40 Oui, voilà, c'est ça, elle y ressemble. De loin, elle y ressemble, c'est ça, oui. Ok, ben ça marche vraiment bien. Et pour les stations en fréquence, ben si, il y a du monde. Il y a pas de problème. Hein, puisque là, je ne descends pas tous les jours sur Bordeaux, mais plusieurs fois par semaine. Et à chaque fois, à chaque voyage, j'ai du monde. Ah tiens, j'ai un OM là, qui vient d'arriver là, à côté de moi. Je ne sais pas si tu connais, si tu as vu sur Internet, le livre de la Sibie à l'humanitaire, dont l'auteur est Didier Vercher. Eh bien voilà, là il vient d'arriver avec moi. Et alors s'il passe devant la voiture, il va être carrément dans le champ de la caméra. Non, si. Ouais, j'ai une caméra de pare-brise. Alors attends deux secondes. Attends, je lui serre la main deux secondes. Salut Didier, comment ça tu va, vas et toi? Ça va? Ça tu va peux te mettre devant la voiture? Ah, non, juste pour faire un coucou à la caméra. Ah bah j'avais pas vu que... Voilà, Hachi, voilà. Donc voilà, sur la vidéo, là on voit, on aperçoit la Didier Vercher qui fait un grand bonjour à la caméra. Nickel. Bon, je vais devoir te laisser. Donc pour le test, là ça marche vraiment bien de mon côté. Je pensais pas que tu étais aussi loin là que tu étais sur Bouillac. Donc je vais t'envoyer les bonnes sur 1351 à toi et merci pour ce QSO. Et à très bientôt sur les ondes. Et pour ce qu'il en est des stations en fréquence, eh bien, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, moi, quand je descends sur Bordeaux, j'ai du monde en QSO. Disons que le truc qui se passe, c'est que les stations restent en écoute. Et ben, du coup, ça fait beaucoup moins de bavards en fréquence. C'est un petit peu dommage, ça, c'est ce qui donne l'impression qu'il n'y a plus personne. Et pourtant, si. Tiens, pour la petite anecdote, à chaque fois quand je passe sur le pont d'Aquitaine, eh bien, j'avertis les stations de l'état de la circulation là sur le pont. Et je peux te garantir que dès que ça coince, pop, pop, ça devient la cacophonie d'un seul coup. Là, tout le monde se sent concerné, tout le monde peut prendre le micro. Ah, chi. Bon, allez, là, faut que je passe en QRT. Merci pour ce. À nouveau, merci pour ce QSO. Bon après-midi, profite bien du soleil. Ok, bah meilleur après-midi à vous et puis à bientôt sur l'air. Et donc de se retrouver. C'est donc une nouvelle fois ça accroche un petit peu. A plus, allez, au revoir, je passe QRT. Ok, 73, l'ami Didier, 45, département 45, station KKU sur le QTH 33. Avec l'ami Visu d'Andy 33, voilà, les bons chiffres à toi avec le soleil Girondin. Merci,
mille merci de la part de Charlie Bravo X, Charlie Bravo X serait donc CBX, opérateur c'est Joël, donc UTH, CNAC. Voilà, amitié les amis, et puis un de ces jours sur l'air. Ok, sans problème, au plaisir de recroiser les aériens, qui sait, sur un jour sur le QTH-45. Au plaisir, l'ami. Il est où, là? Alors, il est sur Bouillac, à côté, rive droite, à côté de Bordeaux. Ah, d'accord. Là où il y a le relais de télévision. D'accord, ouais. Bah, les 73-51 tous, donc voilà, j'ai Didier Vercher qui est avec moi, c'est-à-dire qui est auteur du livre... De son premier livre, de la CB à l'humanitaire, que voici là sur la vidéo. Ok, donc là, eh bien, c'est parti pour un bon petit visu, un bon petit QSO. Bonne journée à tous.